Dans cette vidéo, on va tester le robot Luba de chez Mammotion. Et franchement, c'est une petite dinguerie. On va le tester en conditions extrêmes. On va l'essayer dans une pente de 80%, une zone marécageuse et de l'herbe très haute. Avant cela, laissez-moi vous présenter le Luba 2. C'est un robot tondeuse avec 4 roues motrices, 100 câbles périphériques. Il fonctionne par satellite. Il est adapté pour des petits et grands jardins, allant jusqu'à 10 000 m². Il peut également tondre des talus allant jusqu'à 80% de pente, soit 38 degrés. Vous allez voir ça juste après, c'est plutôt impressionnant. On va d'abord déballer le colis. Tac, donc là, on a toutes les instructions du montage, le câble de recharge. Ça, ça va être l'avant du robot. Comme vous pouvez voir, hop, on l'a ici. Ça va être l'antenne. Et on a plusieurs QR codes. On peut les scanner et en fonction, on aura par exemple soutien aux utilisateurs. Donc si jamais vous avez besoin d'aide. Alors, pour télécharger l'application sur iOS, télécharger l'application sur Android. Ah ouais, d'accord, ça c'est le dessus du robot avec les différentes caméras. Donc le fameux robot avec encore une boîte ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Divers câbles, les lames de remplacement. Donc on a 8 lames. Je m'attendais pas à avoir un robot aussi grand. Ça a l'air vraiment costaud, même les pneus, ça a l'air de bien adhérer. Regardez, il y a la taille de ma main qui sont quand même assez grandes. La qualité des matériaux semble vraiment de très bonne qualité. Pour l'adhérence, donc là, on a des pneus qui ne sont pas pleins, mais ils sont increvables. Ils s'adaptent parfaitement au terrain, même sur des terrains un petit peu trempés. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ah ouais, ok. Et ici, on a la station pour venir recharger. On peut d'ailleurs retrouver certaines pièces sur le site. Je vous montre l'installation du robot tondeuse. Il y a le capteur de devant à venir clipser puis visser et également la caméra 3D que l'on essayera juste après. On a même le tournevis de fourni avec. Donc là, on va venir mettre ce radar là-dessus. Donc pour cela, on va tout simplement venir dévisser. Et là, on va venir encore une fois connecter. Là, on a un petit ergo. Tac, ça s'emboîte comme ça. Hop, bon, ça reste très simple à installer. Tac, on vient revisser. Voilà, on a installé ça. Là, on a installé ça également. Et après, on va s'occuper donc de l'antenne. Donc, c'est très bien détaillé, très facile à comprendre. Donc, là, on va venir mettre ça sur l'antenne. Tac. Bon, là, on vient mettre ça pour l'antenne. Vous voyez, il y a deux câbles. Donc, les deux câbles, ça va avec les deux câbles. On vient le brancher et visser. Ok, donc là, après l'antenne. Tac, nickel. Bon, ils disent d'installer la clé de sécurité. On va le faire, voilà. Et pour fixer ça, donc on a des petits vis esprit que l'on vient enfoncer en tournant. Et franchement, c'est plutôt efficace. Et au total, donc on en a, si je ne dis pas de bêtises, 6. C'est important de le faire pour pas que la station se barre dans tous les sens. J'ai également installé le toit du robot. Donc c'est très simple, on a juste deux vis à venir tourner pour donc pouvoir mettre le petit capot dessus. Il est important de mettre l'antenne à ciel ouvert et on peut venir l'alimenter avec un panneau solaire et pourquoi pas la mettre directement contre mur. On va brancher ça directement au secteur. Hop là, moi c'est le Luba 2. Ça c'est fait également, on l'a fait tout à l'heure. Pour la première utilisation, il faut le connecter au Wi-Fi de votre maison pour pouvoir faire les mises à jour du robot. On peut également mettre une carte SIM à l'intérieur. Et si vous n'avez pas de réseau en extérieur, eh bien vous pouvez rentrer le robot à l'intérieur de chez vous, juste le temps de faire les mises à jour. Ensuite, il vous faudra juste le Bluetooth de votre portable. On va voir maintenant comment programmer le robot. On va aller sur l'application Mammotion. On va donc entrer la carte. Donc là, le robot se situe ici. On va faire ajouter une zone, démarrer. On peut donc quitter le quai automatiquement. Vous voyez, donc le robot s'avance tout seul. Au début, on va partir un petit peu de la station. Donc pour ça, vous voyez, vous avez deux joysticks. Et en avançant, donc ça va faire avancer le robot. Ça va le faire également tourner. Et en gros, il faut sortir de ce carré là que vous voyez pour pouvoir ensuite commencer le traçage. Donc là, le but, c'est de délimiter le contour. Donc je vais m'avancer un petit peu. Voilà, là, on est en dehors. Et n'oubliez pas d'appuyer en bas à droite pour commencer. Donc voilà, là on va pouvoir commencer le traçage. Donc voilà, je vais passer ici. Là on vient tourner. Hop. Donc là, je vous conseille de pas trop par exemple, moi j'ai des bordures, de pas trop venir proche. Il conseille à peu près 15 cm. Là, je vais être assez large pour la première tonte. Après je pourrais très bien le modifier plus tard. Ensuite, donc sur l'application, on va faire un passage qui va aller sous la deuxième zone qui est là. Ça on fera juste après. Pour l'instant, il faut finir cette zone. Donc voilà, là on a la première zone. Donc là on appuie sur compris en bas à droite. Continuer la planification. Donc avant de faire le passage, on va faire la zone d'en face. On va la commencer donc à partir d'ici. Et là on arrive, on rejoint donc le point
de départ. Tac, il s'arrête, compris. Ok. Donc là, on a une autre zone. Et c'est là où on va mettre donc notre corridor. Donc là, il faut appuyer en bas à droite. Et ça, en fait, voilà, ça va joindre deux zones. Bien sûr, je précise que là, c'est une petite route. Il n'y a personne qui vient, donc le robot pourra facilement passer à travers la route. Et là, on va faire un autre corridor qui va traverser la route juste ici pour aller à la zone de là-bas. Le corridor donc, qui va rejoindre l'autre zone qui est là-bas. C'est nickel, c'est bien rasé. On va voir qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Voilà, donc là, il s'arrête. Il s'arrête et il va traverser gentiment le chemin puis la route. Enfin, il a arrêté donc les lames. Il est en train de traverser pour aller à la deuxième zone qui est juste là-bas. Donc franchement, vous voyez, le tracé est quand même assez rapide. Là, ça va en prendre que quelques minutes. Si vous devez mettre un câble partout, c'est un petit peu chiant, un petit peu contraignant. Là, il n'y a pas besoin de câble. Là, on est à peu près bon. Et on peut ensuite venir tondre. Donc là, on appuie sur tondre. Pour cela, on peut appuyer sur tâche. Moi, je vais faire d'abord la zone numéro 2. Donc, qui est celle-ci. Après, on peut très bien faire, par exemple, deux zones, les trois zones, etc. On va pouvoir régler la fréquence, donc hebdomadaire, par exemple, tous les lundis, tous les mardis, etc. On peut également personnaliser sa propre coupe. Là, on peut faire un quadrillage, une grille unique. Et là, le robot donc, va commencer à tondre. Tous les traits, là, ça va être le passage du robot, là où il va tondre. En été, il est recommandé de tondre tous les 5 à 6 jours. En plus, suivant vos envies, on peut venir faire des dessins sur la pelouse, comme sur un stade de foot. Là, j'avais essayé, par exemple, un quadrillage pour avoir des jolis traits sur la pelouse. Vraiment, c'est top. Franchement, j'ai été très surpris par la coupe. Elle est vraiment très nette. Il n'y a pas un centimètre qui dépasse. Je vais également tester le robot dans ce terrain qui est beaucoup plus vallonné et surtout qui a beaucoup plus d'obstacles. Un jardin en pente légèrement avec des arbres en plein milieu. Là, on a également la spirale d'aromatique. Donc sur le plan, il va falloir la détourer, l'étendoir à linge, tous les arbres. Ce que je souhaite là, c'est de garder un peu cette zone avec des fleurs pour que le robot ne passe pas donc sur cette zone. À souligner également le câble d'alimentation qui est vraiment très très grand. On va ajouter maintenant des no-go zones. Donc ça va être des zones que le robot n'aura pas le droit d'accès. Donc soit vous pouvez le porter avec les deux poignées donc sur le côté et on l'amène directement contre la zone. On va plus vite, au moins ça évite de le déplacer. Ou là vous pouvez le déplacer également. En bas à droite donc on appuie et là c'est parti, on va venir détourer donc la zone où le robot n'aura pas accès. Ok, compris, tac, ça c'est bon. Là je vais faire une grande zone car j'ai envie de garder toutes ces pâquerettes. Le grand avantage c'est que là on peut faire évoluer le robot suivant les saisons. Par exemple là j'ai envie de garder les pâquerettes au printemps. On a la possibilité de mettre une zone où le robot donc, n'ira pas. Donc je conserve un petit peu de fleurs dans mon jardin. On n'est pas d'ailleurs obligé de faire à chaque fois le tour des arbres, de sélectionner donc les zones où le robot n'a pas accès. Si vous ne le faites pas, le robot détectera au fur et à mesure votre arbre. Il va avancer dessus et il va le contourner. La planification du jardin est terminée. Maintenant on va tondre donc le jardin, donc on appuie sur tondre. On sélectionne la zone enregistrée. Là on va tondre à une hauteur de 35. Ça me paraît pas mal. Le robot voilà, va commencer la tonte. Donc là, on a le robot qui va se recharger. Donc, il est à 13%. Bon, et bien voilà, une tonte vraiment de bonne qualité. Là, ça m'a laissé les pâquerettes que j'avais dit donc de passer ici, de me laisser cette zone. Ça a fait le tour de la spirale, le tour des arbres. On va maintenant tester dans de l'herbe très très haute. Donc là, elle doit faire à peu près 20 cm. Juste manière de tester les capacités du robot, il est conseillé de tondre à 10 cm maximum. Donc là, c'est pour voir un petit peu, pour pousser un petit peu le robot. Ça coupe bien. Ça envoie. Alors c'est pas vraiment très recommandé, mais là pour le test, voilà, franchement ça avale plutôt bien. J'ai voulu également le tester dans un terrain vallonné pour voir s'il s'adaptait un petit peu à différentes surfaces, à différents terrains. Là il y avait des trous partout et pareil, donc le robot a bien fonctionné. On va faire maintenant un deuxième test avec d'abord une pente moyenne et là ça monte sans problème et ça coupe également super bien. Maintenant on va tester dans une pente à environ 38-40 degrés, ce qui représente environ 80%. C'est une solution parfaite pour vous éviter de passer la débroussailleuse dans un talus. Là on va vraiment tester la puissance, mais c'est abusé. Monte des montagnes. On est en train de tester le robot dans des conditions extrêmes. Il arrive bien à monter. C'est incroyable.
Donc là, pour vous montrer un peu, on est sur une pente à peu près à 38, 39%, voilà, ça dépend. Environ une quarantaine de pourcents, on va dire. Sachant que le maximum, c'est 38. Donc au-delà, il va se mettre en sécurité. Là, on peut voir qu'il fonctionne très bien. Il monte bien. Là, voilà, il s'est verrouillé. Après, si la pente est trop inclinée, eh bien, le robot se met en mode sécurité. C'est-à-dire, il va s'arrêter. Oh, wow, là, il y a un endroit pas mal. Là. Oh putain, c'est ça qu'il me faut. Si vous avez un terrain un petit peu marécageux, donc là c'est vraiment la bouillasse. On va tester le robot, voir s'il est capable de tendre même dans des endroits un petit peu boueux. Ça, il n'y a aucun problème. Hein. C'est impressionnant. Hein. Il patine pas. Ah, c'est vraiment des conditions. Extrême. Voilà. Là, ça m'étonnerait qu'il passe. Hein. Wow. On marche. Hein. Ce robot, au fur et à mesure que je l'ai utilisé, j'ai trouvé plusieurs avantages. Notamment le premier, il est très simple à mettre en place. Il vous faudra un smartphone, Android ou Apple. Et avec l'application, c'est très intuitif pour tracer votre jardin. Une fois que vous avez fait votre plan de jardin, eh bien, on peut le faire évoluer si jamais vous mettez par exemple un trampoline au milieu, vous voulez faire une piscine, etc. Le deuxième gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de fil périphérique. Il est également parfait pour un grand terrain ou un petit jardin, car il y a plusieurs robots pour différentes surfaces. Le premier, ça va être pour une surface allant jusqu'à 1000 m². Le deuxième, c'est 3000 m². Le troisième, c'est pour du 5000 m². Et le quatrième, pour du 10000 m². S'il y a une perte de connexion GPS, le robot utilisera son système de vision 3D. On peut également avoir accès en temps réel à la caméra du robot. Pour cela, il faut que le robot soit connecté au Wi-Fi. Ou alors, on a la possibilité de mettre une carte SIM dans le robot. Ça peut être pratique si vous souhaitez partir en vacances. Un autre avantage également, c'est qu'il est facile à entretenir. Pour enlever les lames du robot tondeuse, c'est très simple. Il suffit de dévisser et de les tourner. Pour avoir le côté ici qui est tout neuf. En plus, donc là, il y aura le tournevis de fourni dans le kit. Et comme vous avez pu le constater, il s'adapte parfaitement également dans des pentes. On peut également venir programmer, donc ça c'est plutôt pratique. Tous les lundis, par exemple, tous les mardis, etc. De telle heure à telle heure, on peut lui dire de ne pas fonctionner lorsqu'il pleut. Et franchement, j'ai pas été déçu de la qualité. J'ai été même d'ailleurs très surpris. On peut voir que c'est un appareil robuste. La coupe est vraiment parfaite. Le gazon est toujours bien entretenu. Et je note également, on a plusieurs sécurités au niveau du robot. Si jamais vous venez par exemple à le soulever, eh bien le robot se met en sécurité. Pour le déplacer, on a une poignée de chaque côté. Et un gros point positif également, c'est que le robot ne va pas arracher votre pelouse lorsqu'il va tourner. Regardez un petit peu, là, je voulais faire un test. Et ça évite de faire des trous partout. Donc la technologie est vraiment bluffante. Au niveau de l'entretien, vous pouvez passer un petit jet d'eau sous la barre de coupe. Mais il n'est pas conseillé de venir passer le Karcher. Là, c'est juste un petit jet d'eau, manière d'enlever le plus gros. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo présentation du Luba. Merci à Mamotion de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir tester ce magnifique robot. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez le lien de leur site en description. Merci à vous. Allez, ciao!